Avec ce livre-là, Underhill, j'y reviens, celui qui a été écrit sur des rouleaux de papier, là, sans arrêt, là, oui. En trois semaines. Big Sur aussi. Vous l'avez fait la même technique. Bombs aussi. Et le premier qui a assuré votre succès, là, Underhill, oui. Là, vous êtes devenu le fondateur de la Beat Generation. Qu'est-ce que c'était la Beat Generation pour vous? Parce que tout à l'heure... Il y avait la Lost Generation de 1920. Oui. Puis c'était 1940, 50. On disait, qu'est-ce qu'on va appeler ça? Qu'est-ce qu'on va appeler ça? C'est vous qui l'avez inventé, ce terme-là, Beat Generation. Oui, j'ai entendu des vieux bonhommes dire ça, dans le sud, des vieux nègres. Oui. Beat. Dans le sens de écrasé, de vaincu. Oui, pauvre. Pauvre. Après ça, j'ai été dans la petite église de Saint-Jean-d'Arc. Puis d'un coup, j'ai dit, ah, beat, béat. Béatitude. Oui. Ça a changé de sens, alors, dans votre esprit. Beato en italien. Mm-hmm. Beato. Béatifique en français. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi le sens de beat de l'orchestre de jazz? Oui, puis le sens de tout ça, puis de tout ça. Comment qu'on fait ça? Les canous. Les canous. Puis le drum. Mm-hmm. Puis c'est pas important. Le nom n'est pas important. Mais... Les enfants sont importants. Oui, mais vous dites que le nom n'est pas important, mais vous refusez d'être... appelé un beatnik. Vous n'êtes pas un beatnik. Beatnik, c'est un terme où j'avais un beau mot pour celui-là. Dégrinateur, degrinating. Péjoratif. Péjoratif. Oh. C'est un beau mot. Inventé après Spoutnik. Vous faites avoir de l'air les petits idéalistes de l'Amérique qui ont d'indépendance. D'avoir de l'air comme des Russian spies. Nick, beatnik, Spoutnik. Getnik, Peacenik. En somme, ce que vous voulez dire, c'est que à partir du mouvement de la Beat Generation, qui était un mouvement littéraire, et même un mouvement poétique. Politique? Poétique. Poétique? Oui. Bien, littéraire, c'est poétique. Mais vous dites de la prose et puis des vers aussi, des choses qui... Ah oui, ah oui. Bon. Les vers. Oui. On dit pas vers. Vers. Oui. À partir c'est de bon ce... qu'on dit pas vers. Pourquoi pas? On va dire verse. Il y avait de la prose, puis il y avait du verse. À partir de ce mouvement central, qui lui était littéraire, disons, oui. Il y a des parasites qui sont arrivés, des gens qui ont voulu faire semblant de faire partie de ce mouvement-là. Ouais, qui, les bohémiens. Les bohémiens, ils ont arrivé avec le barbe, puis les sandales. Puis ça, c'est allé en toute la nuit, puis voit ça. Puis c'est ça, puis ils faisaient pas rien, puis ils travaillaient pas. Puis on a tout travaillé, les écrivains. C'est de job. J'étais un journaliste une fois. Encore un journaliste. Hein. Et ça donnait un... Mais c'est plus important que ça. J'étais fauché à propos de ça il y a 10 ans. Que les bohémiens y ont rentré. Mais après ça, les jeunes y ont commencé à rentrer. Après ça, ils s'appellent Now Generation, Action Generation, ou bien sans nom. Love Generation, LSD Generation. Mais... C'est des enfants, aujourd'hui, les nouveaux, 18, 19, là. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais... Je suis assez vieux pour être le père, là. Oui, ça, c'est... 45. C'est le diable qui se fait ermite, là. Hein, le... quoi? The devil that turns hermit. Ça veut dire, ça? C'est... Maintenant que vous le commencez... Le diable devient ermite, oui. Il n'a jamais été un ermite, cet orgiaste, là. Mais quand... Maintenant que vous avez 45 ans, là, vous regardez les jeunes et vous dites, non, je dis que les nouveaux jeunes sont fins. Ils cherchent de quoi. Mais si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous feriez la même chose que vous avez fait? Je l'ai déjà fait cette année. Et dernière question en 30 secondes. Qu'est-ce que Jack Kerouac pense de Jean Kerouac? Ça veut dire ça. What do you think of yourself? Oh, qu'est-ce que je pense de moi-même? Oui. Je suis tanné de moi-même. Ben, je sais que je suis un bon écrivain, un grand écrivain. Je suis pas un homme de courage. Mais une chose que je sais faire, c'est écrire des histoires. C'est tout. Ben, j'espère que vous allez continuer à en écrire pour le plaisir de tout le monde. Et je vous remercie infiniment d'être venu pour cette entrevue, M. Kerouac. OK.